Josué 22 1 à 9 6 villes de refuge verset 1 L'Éternel parla à Josué. Et dit, 2 parle aux enfants d'Israël. Et dit, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge. 3 Où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. 4 Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville, et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville, et lui donneront une demeure, afin qu'il habite avec eux. 5 Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain, et sans avoir été auparavant son ennemi. Josué 22 1 à 9 6 villes de refuge verset 6 Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. 7 Ils consacrèrent Kedesh, en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem, dans la montagne d'Éphraïm, et Kirjas Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. 8 Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Betzer, dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramos, en Galaad, dans la tribu de Gad, et Golan, en Bassan, dans la tribu de Manassé. 9 Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier, et qu'il ne mourût pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Joshua chapter 20 verses 1-9. 6 cities of refuge verset 1 And the Lord spake unto Joshua, saying, 2 Speak to the children of Israel, saying, Assign you the cities of refuge, whereof I spake unto you by the hand of Moses. 3 That the manslayer that killeth any person unwittingly and unawares may flee thither. And they shall be unto you for a refuge from the avenger of blood. 4 And he shall flee unto one of those cities, and shall stand at the entering of the gate of the city, and declare his cause in the ears of the elders of that city. And they shall take him into the city unto them, and give him a place, that he may dwell among them. 5 And if the avenger of blood pursue after him, then they shall not deliver up the manslayer into his hand, because he smote his neighbor unawares, and hated him not beforetime. Joshua chapter 20 verses 1-9. 6 cities of refuge verset 6 And he shall dwell in that city, until he stand before the congregation for judgment, until the death of the high priest that shall be in those days. Then shall the manslayer return, and come unto his own city, and unto his own house, unto the city from whence he fled. 7 And they set apart Kadesh in Galilee in the hill country of Naphtali, and Shechem in the hill country of Ephraim, and Kiriath Arba, the same as Hebron, in the hill country of Judah. 8 And beyond the Jordan at Jericho eastward, they assigned Bezer in the wilderness in the plain out of the tribe of Reuben, and Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad, and Golan in Bashan out of the tribe of Manasseh. 9 These were the appointed cities for all the children of Israel, and for the stranger that sojourneth among them, that whosoever killeth any person unwittingly might flee thither, and not die by the hand of the avenger of blood, until he stood before the congregation.